à tous, je vous retrouve pour une nouvelle chronique, une chronique que j'avais vraiment hâte de vous faire, un livre que j'attendais avec impatience et qu'on était tous en train d'attendre frénétiquement. Il s'agit de Night School Rupture, le troisième tome de la saga Night School par CJ Doherty, paru à la collection R le 10 octobre dernier. Waouh! 400 pages de pur bonheur. Une pure merveille. Comment dire, Night School, c'est la première saga, je peux le dire sans avoir peur, la première saga depuis la saga Harry Potter à me mettre dans un état pareil. Cette excitation quand vous attendez le bouquin, quand vous mettez enfin la main dessus, quand vous commencez à lire, cette espèce de sensation, ce feeling particulier, comme s'il y avait de la magie dans l'air, même s'il n'y a absolument aucune magie, c'est un thriller. C'est un thriller jeunesse, enfin young adulte. Mais cette petite pointe de magie particulière, de féerie, on dirait, quand vous lisez. Cette tension où vous êtes en train constamment de vous demander qu'est-ce qui va arriver au personnage, parce que l'auteur a une façon de distiller les événements et de jouer avec vos nerfs profondément, surtout avec ce troisième tome, puisqu'il est question justement de la recherche d'un espion, d'une taupe, à l'intérieur du lycée de Cimmeria. D'une taupe du grand méchant, hein, de Nathaniel, qui se serait infiltré parmi les élèves ou les professeurs, on ne sait pas trop. C'est incroyable. C'est-à-dire que vous passez les 400 pages à vous demander qui peut bien être la taupe, qu'est-ce qui va arriver à nos protagonistes, qui va encore se faire taper dessus, est-ce qu'elle va encore tuer quelqu'un? C'est la grande question qu'on se pose depuis les deux premiers volumes, vu que CJ a développé une grande faculté à tuer ses personnages à la fin de chaque ouvrage. Je ne vous dirai pas si ce troisième ouvrage fait encore respecte encore les règles. Mais en tout cas, c'est du pur bonheur. Ça se lit super vite et ça se lit tellement vite que j'ai été obligée de ralentir volontairement ma lecture. Et ça, c'est pas quelque chose que je fais souvent, surtout ben, en étant blogueur livresque, hein, on a tellement de livres à lire, pardon, que ben, on peut pas forcément se payer le luxe de faire ça. Mais alors, s'il y avait vraiment un livre que j'avais pas envie de terminer, c'était celui-là, parce que je sais que l'attente va être terrible, atroce pour le tome 4, hein, forcément. Ça fait vraiment partie de ces sagas qui me tardent de retrouver en librairie. Ça ne me fait pas vraiment ça pour tous les livres, mais en tout cas celui-là, super. Donc rapidement, hein, pour ceux qui ne savent pas de quoi il en est, c'est donc l'histoire d'une jeune fille, Ali Sheridan, qui pète un peu les plombs, qui est envoyée dans un lycée privé. Pour enfants de riches, un lycée un peu mystérieux puisque on ne sait pas réellement, enfin on sait rien de ce lycée, la publicité autour de ce lycée est quasi inexistante et donc Ali se retrouve dans cette école coupée du monde où toute la technologie est interdite, parmi des fils et des filles de personnes haut placées dans la société. Et elle va vite se rendre compte que c'est un lycée qui a tendance à former les futurs dirigeants de ce monde. Au sein de ce lycée est abritée une société secrète, la Night School, donc les cours de nocturne. Et donc, ben voilà quoi, ces cours commencent à apprendre aux jeunes à se comportés comme des futurs dirigeants de ce monde. Donc c'est réellement toute une histoire de complot, d'organisation secrète. Et aussi cette question sur la nature humaine profonde. Est-ce que les gens sont fondamentalement bons ou fondamentalement méchants? Est-ce que le pardon, aussi, le pardon est une question importante dans cette saga. Est-ce que si vous faites une erreur une fois, est-ce que il va falloir déployer toutes les forces du monde pour pouvoir vous racheter auprès des personnes. C'est très intéressant
comme réflexion en fait, et surtout pour un livre young adulte, vraiment c'est génial. Donc, premier livre Night School, deuxième livre Night School Héritage, et troisième livre Night School Rupture. Je vous incite fortement, si vous n'avez pas commencé à lire cette saga, il y aura 5 tomes en tout. Je vous incite fortement à les lire, à les découvrir. Vous allez voir, ça se lit incroyablement vite. Ce que je vous ai dit, c'est du Harry Potter. C'est de la magie à l'état pur, ce bouquin. Et si vous voulez poursuivre l'aventure avec toute la communauté qui s'est créée récemment, je vous invite à nous rendre visite sur facebook.com/nightschoolfrance. On y a beaucoup de fun et on papote pas mal sur nos suspicions de traître pour ce dernier tome, etc. etc. Donc c'est vraiment une ambiance très bon enfant, je vous incite vraiment à aller y faire un tour. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue. Salut!